Le 23e anniversaire du quartier latin, ben c'est la fin. On est 5h du matin. Bon, toi, on a hiver à Banakina, c'est pour ça qu'il fait un peu noir, mais c'est fini. On est à la plaine Saint-Denis, tout ça. Et pas maman, où il va? Au Yoazan Akatikuna, donc toi aussi, c'est émission. Mais toi aussi, émission, toi aussi, c'est un reportage Oyo. Na Lionel Tchamala, pour Oyo, m'tabeng Sibiso Kotoyo. Alors, Lionel, ils avaient 23 ans à quartier latin, on le bénit. Oh, Salaka Bouende! Ah, ici, le garçon puissant qui vous parle en direct de Paname. C'est chaud, ça roule. On se la pète. Rolex, les thunes, carrosse. C'est chaud. Oh, c'est chaud à toi, là. Tchamala, on dit quartier latin, c'est la classe, l'élégance et tout ça. Ouais, je vois que tu n'es pas seul, tu es entouré de comment on dit, comment on appelle les jolies demoiselles comme ça? Les belles demoiselles et canons, tu vois. Je suis bien entouré, vas-y, Matt, tu verras. Il y a des linons et ma poupée fragile, mais c'est-à-dire quelle fragilité. Malgré ma lili, quoi, au senti. Ah ouais, vas-y, vas-y, tourne ta caméra, là, tu vas voir, là, tu seras content. Franchement, ton image, là, érotée comme à quoi. Vas-y, on est là, on est... Il y a mon frère, excuse-moi, il y a mon frère Jérôme Kabangu, de Jerry. Pour vous, les belles meufs, quoi, il est là en personne. Alors, Lionel, là, on prend les sœurs, parce bien. Que c'est quand même le quartier latin, ça c'est... Un petit mot pour les dames, les gens qui vous regardent à Kinshasa. Alors, un petit mot, juste un petit bonjour, un coucou à Kinshasa. On vous passe le bonjour. Juste un petit mot, donc on est venu à l'occasion de l'anniversaire, 23e anniversaire de Kofi. Donc voilà, on est venu le soutenir, ça s'est super bien passé et voilà, bonsoir à tout le monde. Vous parlez au nom des deux, quoi. Comment? Vous parlez au nom de tout le monde, quoi. Au nom de toutes les deux. D'accord, merci en tout cas. Lionel, où tu es? Le quartier a été à 23 ans, mais le quartier a été aussi des remous. Tu as oublié Adeline ou quoi? Adeline ne veut pas passer à la télé, Adeline a fait signe. Tu ne veux pas passer à la télé, t'as peur de qui? Il faut passer la caméra à ma soeur là. Ça c'est ma soeur là. Vas-y. Ah ouais. Adeline, on est mal, la poupée est fragile. Ben on est là et tout va bien. Ça s'est très bien passé l'anniversaire. Bon, je connais pas trop, mais ça s'est très bien passé. Donc voilà, très bonne soirée. Allez-y, mesdames, allez vous réfugier. Je sais qu'il fait froid, donc on termine avec. Ouais. Au revoir. Bien, c'était les dames du quartier latin. Alors Lionel. Quartier latin 23 ans, mais il y a eu des départs quand même aussi dans le quartier latin. On m'a dit que, en tout cas les rumeurs qui sont ici en Europe, Joss est parti. Des rumeurs? C'est ce qu'on a appris à Joss. C'est qui Joss? Joss c'est un musicien du quartier latin qui était dans le quartier latin, qui chantait avec Koffi Olomide, qui n'est plus là, il paraît. Depuis quand? On a appris ça aujourd'hui, nous autres, quand on était à Paris. Je connais pas, je connais Cindy Lecoeur, Wankoro, je connais J3, Galliano, je connais Argadiniero, Muito Brigado, je connais Mbonzo Centreville, je connais Chai Kazadi. Ça dit Ange Mukumi, vraiment Ange Mukumi avec jus d'orange. Ange Mukumi, jus d'orange. Voilà, je connais... Attends, on a de nouveaux animateurs là, je connais même pas. Comment ils s'appellent, en fait, je connais de vue, oui. Les Guélor, les J3 et compagnie. Guélor, J3, Arabe, ils ont mis deux tubes sur le nouveau single qui va sortir, il y a, je crois, dans 10-13 jours. Voilà, le nom là que tu me cites, là, je connais même pas. Okay. Il a joué chez Kofi. Il a joué chez Kofi. Franchement, je suis pas informé. Je vois pas qui c'est, en fait. Lionel, entre parenthèses, dans le staff du quartier latin, mais en même temps, Pierre Moutou, Yamoukoulou, ça va à toi? Classe BCB, classe BCBG VIP toujours. Ouais, ça se voit. Hein. Ça se voit, je suis là. Hein. Vas-y, je me la pète, là, je le dis. Carrément, là, je me la pète. Moi, c'est Lionel Tchamala, garçon capable, garçon puissant. En vrai, je suis là en personne. Ça se voit, je suis en Galliano, je suis en Breitling, je suis en Diesel, je suis en Alexander McQueen. Voilà, je suis là. Voilà, rien à dire. Moi, c'est le Cash Money Bronzes. Le Cash Money Bronzes. Je suis à la tête du Death Row Records. Ça rigole pas, mon frère, ça rigole pas. C'est pour ça que t'es avec Mukulu et avec Mopao. Ouais, papa chéri, Binadama, leader à Pembe, leader à Sika, c'est mon vieux. Déjà, je cause bien avec lui. Naro Lobilakoute, parce que tout le monde le sait. Mopao, c'est mon papa, en fait. C'est vraiment un père pour moi. Je l'appelle. Ton grand frère, Mopao, ton père. Ouais, voilà, tu comprends. Donc, tout est clair, il n'y a pas à aller à gauche ou à droite, tout est clair, voilà. JB, c'est mon grand frère propre. Je parle très bien avec lui, il n'y a pas de souci, rien du tout. Mopao Sarko, c'est mon papa. Okay. Je l'appelle papa, il m'appelle fils. Quand il m'appelle, il dit mon fils, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'on sort, machin, tu vois. Et l'autre, le bling bling, c'est Léo Scram. Wow,
Non, c'est lui, c'est la famille. Hein. Il est là, hein, il vit, hein, il vit tranquillement, il est à Kinshasa. On attend que c'est lui arrive ici, Lionel. Toi, tu es toi qui est branché ici, lui aussi qui est là. Comment vous n'arrivez pas à vous réunir pour faire venir c'est lui en Europe? Parce qu'on se demande pourquoi c'est lui n'arrive pas à entrer en Schengen, quand même. Moi, je ne travaille pas à l'ambassade, moi. Je ne travaille pas, je ne fournis pas les visas à qui que ce soit. Moi, je ne travaille pas à l'ambassade. Tu fournis une prise en charge? À vrai dire, franchement, c'est la famille, c'est tout. J'ai pas aller plus loin là-dessus, tu vois. Je peux aller plus loin là-dessus, c'est la famille. Franchement, je ne veux pas trop dire là-dessus. C'est lui aussi la famille. S'il faut venir, il va venir ici. Il a ses demandes de visa qu'il a envoyées à l'ambassade. Il a tous les documents réunis, à ce que je sache, à ma connaissance. Sûrement qu'il viendra un de ces quatre ici en Europe. Enfin, c'est lui aussi de l'Europe. Non, il y a Outakoto, il sait ce que voilà, c'est. Voilà, voilà. Il sera ici d'ici là, franchement. S'il est ici, il va m'appeler. Avant de venir ici, il va m'appeler. Bien, ça fait un bon bout de temps que je ne peux pas parler avec lui. Je ne suis vraiment pas à l'affût de ces informations, en fait. Tu vois, je ne suis pas à l'affût de ces informations, mais je sais qu'il viendra ici. Il viendra. L'Europe, c'est pour tout le monde. C'est l'Europe. Avant qu'on continue avec toi, on va un petit mot aussi quand même de lui. Il va pas être derrière sans rien dire. Attends, on a parlé de Léo. Je n'ai pas dit un bonjour. Mon frère, c'est Léo Scram. Ah ouais, faut le saluer. C'est Léo. Un grand bonjour. Bonsoir, on est... Oh non, 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 non. On est 5h du matin, bonjour. On est 5h du matin. Bonjour. C'est Léo. Je crois que tu vas bien, cousin. Ça roule. On reviendra à Lionel. Alors, un petit mot. Les gens de Kin, en français, en lingala, comme tu veux. Hein. Les gens de Kin nous suivent. Une petite salutation. Ouais, je suis à le trésor Peso. DJ Kinshasa et tout, un pote à moi. Quelle commune tu es, Akin? Pour vous, les meufs. Voilà et tout, voilà. Mais ça me botte, la lingual. Salut tout le monde qui me connaissent et tout. Plein de bisous à toutes les meufs. Salut. Alors, on est avec Lionel Tchamala. James à la caméra. La journée n'est pas finie parce qu'on doit rencontrer JB Mpian. Ça, c'était. Spécial quartier latin, 23 ans au PAO. Ah ouais. Première partie de l'émission Zalagi Ayo. 23 ans.